Voilà, bonjour monsieur. Oui, bah, nous sommes sur Vintage Beat TV Show. Donc là, votre voiture, on va essayer de la voir. Donc c'est une MG, c'est ça, hein? MGB. Donc de quelle année? Cabriolet. De 1979. D'accord. 1979, d'accord. Donc là, je fais un petit tour rapide. Hop. Alors, ce qu'on peut voir, c'est une voiture qui est vraiment très très belle. J'espère qu'on va le voir à l'écran. Il y a la reine qui figure toujours. Et donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre voiture? Donc, c'est une voiture qui vient des États-Unis. D'accord. Oui. Elle a 66 000 miles. D'accord. Et elle a été repeinte, révisée. Elle est en très bon état. Elle fonctionne très très bien. D'accord. Voilà. Très bien. C'est une très belle, très bonne voiture. Confortable. D'accord. Confortable. Elle roule très bien. J'en suis très content. Et vous avez fait peut-être une bonne affaire de l'avoir fait venir des États-Unis. Parce qu'on dit souvent que vous l'avez eu en Californie, peut-être, non? Oui, elle vient de Californie. Ouais. Ouais, parce que... je suis passé par un importateur. Oui. Donc elle a été modifiée un petit peu parce qu'en 79, les pare-chocs étaient en caoutchouc. L'arrière-roue était tôlée, donc elle était un petit peu modifiée. Mm-hmm. Il a été remis des pare-chocs chromés et des rouchés. D'accord, ok. Très bien. Bah écoutez, je vous remercie pour cette intervention et je vous souhaite un bon week-end au Salon de l'Anne. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Voilà, c'était Vendée Vintage TV Show. Et voilà, encore un propriétaire très sympathique d'une MG et puis tous les autres qui m'ont accordé un petit temps sur leur voiture anglaise. Voilà. Nous allons bientôt arrêter cette émission. Merci de nous avoir écoutés. Et puis, de toute façon, là, ce week-end, samedi et puis dimanche, il y a donc toute l'événement des belles anglaises qui va continuer. Voilà. Bonne soirée à tous. Au revoir.